Master en études françaises à l'université de Pékin, correspondante et directrice programme au Collège international de philosophie à Paris, Tian Tintin a reçu en 2017 l'insigne de Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques, Une distinction qui récompense sa remarquable contribution aux échanges culturels et académiques entre la France et la Chine et les activités d'enseignement et de recherche qu'elle a menées depuis une dizaine d'années. Entre Shanghai et Paris en tant que philosophe. Xian Tintin est aussi critique d'art et artiste peintre. Elle a été invitée par d'importants musées chinois tels que le Housian Art Museum à Shenzhen, le China Art Museum à Shanghai ou encore le quanta Art Museum à Hangzhou pour donner des conférences sur le dialogue interculturel entre art français et art chinois contemporain. En parallèle, elle a exposé au China Art Museum, à la V Art Gallery à Shanghai, mais aussi à la Galerie des femmes à Paris. Tiens, bonjour. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous. La raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est que cette année, l'Université de Pékin fête ses 120 ans. Et vous, vous êtes une ancienne de cette université. Vous avez reçu euh, les palmes académiques accordées par le ministère français de l'Éducation nationale. Mmh. C'était en 2017, c'est ça et depuis euh, une dizaine d'années, vous menez des activités académiques à la fois en Chine et en France. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus euh, Oui. Déjà, euh, oui. les palmes académiques, euh, qu'est-ce que c'est oui. Euh, les palmes académiques, comme vous le savez, euh, sont accordées à, à des universitaires qui ont contribué à faire promouvoir euh, la, la pensée française euh, à, à, en France et à l'étranger aussi. Mm. Euh, et en effet, à côté de mon enseignement, euh, j'ai aussi fondé une collection d'essais. <laughs> Principalement avec des ouvrages traduits de, de français. Euh, en 2010, en effet, deux ans après, euh, nous avons déjà euh, publié quelques premiers titres. Et l'an dernier, quand la maison d'édition, qui est celle de l'Université normale de l'est de la Chine, a fait son anniversaire de 60 ans, nous avons aussi publié le 60. 60e titre à la fin de l'an dernier. C'est L'an dernier, nous avons aussi organisé des rencontres, des débats autour de quelques titres. Euh, et en effet, au début, l'idée, c'était de faire euh, connaître euh, aux lecteurs euh, chinois euh, quelques odeurs que j'ai ai toujours aimées, et Lesquelles, qui rêves, par exemple, euh, peu connus en Chine. Par exemple, euh, Pierre Adot, le philosophe français, ou Jean Starobinski, le critique euh, littéraire euh, suisse euh, qui enseigne à Genève, à l'Université de Genève. Euh, et, et à Barcelone, en effet, j'étais aussi devenue correspondante euh, au Collège international de philosophie à Paris. En effet, c'était en 2008, décembre 2008. Euh, j'ai publié un texte, un article intitulé Philippe Jacodet euh, et la pensée chinoise. Et ce collège m'a contactée, en effet, pour me demander si je veux être euh, sa correspondante pour la Chine. Et à la suite, euh, j'ai coordonné un numéro spécial, philosopher en Chine d'aujourd'hui, dans sa revue Rue Descartes. Et depuis quelques ans, euh, je suis aussi devenue... Uh, directrice de programme dans ce collège, uh, et où je donne un, un séminaire, uh, et où, où j'ai en effet fait, uh, pu inviter aussi des sinologues, des ph philosophes français uh, avec qui nous avons en effet mené un dialogue transculturel trans -trans sur uh, l'éthique. Uh, L'éthique de la vie, mmh. Mmh. Que, comme un, un tournant euh, de l'éthique environnementale à l'éthique de, de la vie. Mmh. Est-ce que vous pouvez revenir mmh. sur vos activités d'enseignante mmh. en France et en Chine euh, Oui. <laughs> euh, donc, euh, j'ai enseigné à, à Pékin et à, à Shanghai, et en effet, c'est grâce à cette invitation euh, du Collège international de philosophie, j'ai pu en effet, depuis quelques années, euh, périodiquement donner euh, des séminaires et cours, conférences en France. Euh, et en effet, donc, euh, ce sont vraiment des occasions pour moi d'essayer de, non seulement de penser en français, Mmh. de présenter des courants de pensée euh, en, chi euh, en Chine, en Chine ancienne surtout, mmh. euh, au public français, hein, puisque en effet, le collège international philosophie est une plateforme euh, où on peut travailler à l'intersection et avec des cours euh, euh, gratuits pour le public. Euh, et... Euh, à part ça, en effet, pour moi-même, ce sont aussi des, euh, des moments enrichissants hein, qui, qui, ont nourri, qui, qui ont nourri des euh, de possibilités de dialogue euh, interculturel. Mmh. Mmh. Justement, en parlant de dialogue interculturel, euh, inter est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités d'échange dans ce domaine entre la France et la Chine euh, comme vous, vous le savez, en effet, depuis un siècle, il y a eu déjà des rencontres transculturelles et des œuvres de haute qualité. Hein, donc, euh, de Victor Sigalen à Henri Michaud, hein, de Paul Claudel à François Chen. Euh, en effet, donc, euh, moi, au début, il y a eu une intuition, il y a 20 ans environ, que une intuition qu'en lisant des poètes et des penseurs français, francophones, euh, j'ai découvert euh, des rapprochements, hein, ou aussi des sources de la pensée chinoise, entre guillemets, euh, au sens général, et surtout, en effet, de la pensée taoïste ou taoïsante. Vous euh, voulez dire par là qu'il y a des similitudes, alors oui, donc j'ai essayé de oui. sonder ces sources, oui. c'était directement ou indirectement dans leurs euh, écrits, à partir des études sinologiques en français. Donc, euh, et c'est là en effet que j'ai essayé de travailler d'abord euh, euh, sur les rapprochements possibles, donc comme ce qu'on fait dans les études comparées, euh, mais plus tard, cela me paraît en effet euh, insatisfaisant comme approche. Donc, je voulais en effet euh, travailler davantage pour mettre en parallèle euh, ces, disons, ces sources venant de la Chine mm. euh, et au aussi euh, la, des, euh, un courant, disons, euh, dans la philosophie française du côté de la philosophie euh, du, de la vie ou du vital. Euh, avec euh, aussi le, le tournant éthique. Euh, donc en, en effet, euh, je me rends compte de plus en plus que ce sont vraiment des ressources euh, pour une logique alternative euh, à l'encontre de toute euh, logique euh, basée sur euh, le profit, euh, le calcul hein, ou, ou l'intérêt, le, l'efficacité. Hmm. Donc en effet... À partir de là, je suis vraiment, euh, je, je, je suis vraiment très euh, motivée depuis ces dernières années euh, pour en effet euh, travailler sur des possibilités d'établir euh, une, euh, une écologie d'esprit. Uh, ensemble, dans le dialogue avec mes collègues uh, francophones. Mm. Uh, et je trouve vraiment que ce sont en effet des ressources uh, qui sont uh, importantes uh, pour, uh, pour en effet établir une, une éthique contemporaine. Mm. Vous êtes surtout philosophe. Mm. Quelle est la place qu'occupe la philosophie dans votre vie personnelle et dans les échanges franco-chinois euh, Je crois que euh, toujours en effet, un, un écho à, à des réflexions marquantes en, en France, hein, dans, le, dans ce courant que... Euh, qu'on appelle la philosophie de la vie euh, renouvelée plus, au sens plus général et qu'en effet qu'il y a vraiment aussi euh, cette nécessité de euh, pratiquer euh, pratiquer les théories euh, euh, dans la vie euh, réelle euh, ça veut dire que en effet ce sont pas en effet comme des théories euh, systématiques euh, euh, mm. toutes faites euh, abstraites par exemple j'ai traduit et étudié Pierre Hadot l'ai mis en, en dialogue avec des penseurs euh, chinois d'Elgo Zhuangzi euh, et en effet euh, donc euh, la philosophie pour moi ce n'est pas en effet seulement euh, un système de savoir abstrait mais surtout euh, ces dernières années c'est vraiment important pour moi aussi de euh, mener des réflexions, hein? donc euh, euh, aussi en, en, en associant avec tout ce que j'ai euh, découvert, euh, observé euh, dans l'interculturalité, euh, mm -hmm. mais aussi enfin dans le domaine de. Euh, de de l'art contemporain en face avec des, des problématiques de notre époque, hein, comme euh, tous ces problèmes euh, écologiques, euh, de la bioéthique, hein, ou aussi en effet de, de conflits hein, de, entre différentes cultures, tout ça. En effet, euh, j'ai essayé toujours de renouveler des réflexions euh, en face avec euh, ces problématiques qui nous mmh. sont communes en effet. Donc, euh, je, je crois que c'est vraiment important finalement de aussi de, euh, euh, que les, les penseurs de différentes cultures travaillent ensemble, non seulement euh, de, euh, de refocaliser hein, les de la vie dans, les, dans, la, dans nos traditions, mais aussi de réinventer, réinventer aussi des euh, des passerelles qui nous permettant de, de communiquer, de nous comprendre, aussi repartir ensemble. Mmh, mmh. Peut-être pour réinventer une modernité aussi plus saine. Pourquoi Cours. pas Au sein de la modernité globale avec ses apports. Mmh. Mmh. Alors, je sais qu'à côté de mmh. vos activités d'enseignement et de recherche, mmh. vous faites de la peinture. Mmh. Par exemple, vous avez exposé à Shanghai, mmh. ainsi que dans une exposition solo mmh. à la Galerie des femmes en mmh. automne dernier. Euh, Est-ce que la création artistique mmh. vous a beaucoup apporté mmh. en tant que, dans votre vie de philosophe euh, oui, la peinture, pour moi, il euh, y a aussi un autre sens euh, existentiel. Euh, en effet, c'est puisque euh, toutes ces réflexions philosophiques euh, qui m'ont. Euh, dans la philosophie française, hein, qui m'ont amené à réfléchir sur les questions de corrélation, euh, relation ou rencontre entre soi et monde. Mmh. Donc, euh, cela m'a aussi. Euh, Amener à reprendre la peinture autrement. Donc, euh, en effet, c'est en quelque sorte comme euh, une visualisation de, des, des réflexions interculturelles. Et de l'autre côté, c'est aussi comme euh, occasion pour moi de renaître. Mm. Mais en même temps, euh, de l'autre côté, euh, les, cette pratique. Que j'ai mené parfois pendant les vacances, m'ont euh, donné aussi la possibilité de revenir, euh, sur, euh, euh, revenir à mes réflexions philosophiques. Pour voir en effet que, euh, justement, comme Merle Bonty a pensé dans son ouvrage L'œil et l'esprit, ça veut dire que euh, comment. Euh, comment en effet réinventer. Euh, une vraie pensée mm. ou, ou bien je vais dire donner souffle de vie de nouveau à notre à façon d'être hein, comme façon de d'écrire ou façon de, de peindre exactement et donc euh, donc du coup en effet en réinventer euh, des éléments qui dit beaucoup dans la tradition dans la peinture de montagne et Haut euh, j'ai essayé aussi de trouver la façon de procéder naturellement donc laisser le potentiel se déployer euh, naturellement hein, donc, pour en effet euh, mener à des expérimentations euh, avec l'union du corps et de l'esprit, euh, avec tout ce qui est du, de l'ordre de la corporeité, de la coprésence, euh, Connaissance avec un trait d'union. Hein. Donc, euh, euh, c'est donc effectivement aussi un processus euh, d'expérimentation, de renaissance pour moi aussi, euh, avec toutes ces ressources que j'ai absorbées euh, dans le champ de l'interculturalité. Mmh. Oui. Dernière question. Oui. Qu'est-ce que la culture française vous a apporté dans le domaine pictural ah. <laughs> Il euh, y a eu tant de peintres français hein, que, euh, qui, qui, qui sont euh, très bien reçus, aimés en Chine euh, depuis au moins euh, depuis euh, quelques dizaines d'années. Hein, euh, et donc euh, parmi eux, euh, bien sûr, j'ai été euh, très, euh, toujours profondément. Euh, attiré, inspiré par l'œuvre de Cézanne, mm. euh, et puis euh, après lui, des peintres, euh, disons de la nouvelle école de Paris, comme euh, tels que Jean Bazaine ou Dalgout. Euh, en effet, avec euh, une certaine sensibilité à la calligraphie hein, ou la peinture chinoise, je dirais ou l'influence de l'esthétique orientale, cela m'a très intéressée. Euh, et, et je crois que finalement, ces, ces trois noms, ces trois peintres, parmi d'autres, mm. pour moi, en effet, euh, représentent aussi euh, donc, une sorte de manière d'être, de, euh, voir vers la simplicité. Euh, le débouillement, hein, je crois que c'est vraiment une, une, un choix euh, éthique lié à leur, euh, euh, leur art, leur positionnement euh, esthétique. Euh, et là, en effet, on voit par exemple à, tra à travers euh, l'ouvrage de Charles Juillet euh, intitulé euh, Cézanne et Chitao, un peintre chinois mmh. qui a vécu à la fin du 19e siècle, qui a fait aussi un traité magnifique euh, sur l'art pictural que Pierre Hickman ou François Chen a étudié en français. Euh, et en effet, pour moi, sont aussi approfondis... Euh, excuse-moi, euh, pour moi, sont aussi Profondément des approches basées sur des modes de la non-représentation, non-imitation, euh, même à ch chercher euh, la non-ressemblance, donc qui puisse entrer en dialogue avec euh, une ligne euh, de pensée ou esthétique en Chine ancienne, hein, pour se débarrasser de de, de ce qui est. Euh, euh, comme recher recherche de ressemblances supérieures, mm. euh, superficielle ou, ou formelles. Tian mm. oui. Tian, ah. cette année, l'université de Pékin mm -hmm. fête ses 120 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez adresser un mot à tous les diplômés de l'université de Pékin, ainsi qu'à ceux qui sont encore, euh, qui sont en train de faire leurs études à l'université de Pékin? Ah, je suis à euh vraiment reconnaissante avec tout ce que j'ai reçu euh, à l'Université de Békin. Mm. Uh, uh, à cette université, en effet, qui est internationale, uh, avec l'horizon uh, de intellectuel qui, qui m'a ouvert, agrandi. Uh, et... Uh, et en effet je je je, je crois que c'est effectivement une donation hein, pour moi euh, au début de ma carrière euh, académique.